Maintenant, on va voir l'extrait d'un spectacle assez incroyable, Rock It All, de Brahim Zaïba. Brahim Zaïba a été champion du monde de breakdance. Oui. Il a été le compagnon de route pendant 4 ans de Madonna sur toutes les scènes du monde. Il écrit un livre d'ailleurs très émouvant. On peut tous un jour danser avec les stars. Il danse avec les stars aux quatre coins de la France. Il a un spectacle assez spectaculaire. Loïc Baffier est allé le filmer. Et ensuite, il va terminer cet extrait de spectacle sur la scène. Voici Brahim Zaïba. Merci Brahim. Carole. Merci beaucoup Brahim, content de te voir. Bonsoir. Brahim, il a enchanté les soirées avec Danse avec les Stars, il est en tournée avec l'équipe. Et puis voilà, il a été pendant 4 ans avec Madonna sur scène. 4 ans, ouais. 4 ans, c'est un grand souvenir. Hein. Ah, c'est un énorme souvenir. Ouais. Alors, ton spectacle, c'est Rock It All, qui est arrêté pour l'instant car tu es sur une autre tournée, mais tu vas le reprendre. Exactement, on le reprend l'année prochaine, ça y est. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai une date qui s'est ouverte à l'Olympia. Très bien. Donc je suis super content. Alors, tu viens des quartiers populaires de Lyon, le quartier de la Duchère. Tu le racontes très bien dans un livre, Brahim Zaïba, On peut tous un jour danser avec les stars, Pygmalion. Et tu dis que tu as beaucoup appris avec Madonna. Oui, c'est une personne qui connaît énormément via sa carrière. Donc d'être avec elle, d'être resté avec elle pendant 4 ans comme ça, j'ai appris quotidiennement en fait. Donc c'était quelque chose de fou. Alors tu dis que elle t'a fait découvrir des choses que t'as pas eu le temps d'apprendre parce que la vie en était ainsi. Elle t'a fait découvrir le cinéma français. Elle t'a fait découvrir des bouquins. Mm-hmm. C'est vrai, parce qu'elle connaît bien la France. Elle habite chez nous il y a très longtemps. Bah j'ai découvert oui tous les films de Godard, tous ces films là que moi-même ne connaissais pas avant et elle m'a fait découvrir tout ça. Donc c'était j'étais content d'apprendre ça par une américaine quoi. C'était cool. T'as fait le tour du monde avec elle. On a fait le MDNA et le Super Bowl ensemble. Donc ouais, on a fait... Super Bowl, c'est 114 millions de téléspectateurs. 114 millions, ouais. C'est incroyable. Les Trois Mousquetaires, c'est la prochaine aventure
de l'équipe qui avait fait Romain Desbois. Romain Desbois. Avec les Couliers, Gilbert et les... T'étais déjà conseiller artistique sur Romain Desbois. Exactement. Et là, c'est toi qui vas t'occuper de ça aussi. Et donc là, oui, je fais aussi conseiller artistique, mais j'ai aussi le rôle d'un des mousquetaires. Je serai Athos. Dis-moi, le breakdance, il faut être jeune pour apprendre ça. Hein. Ah oui, ça je certifie, parce que moi j'ai essayé d'entrer à mots, tu as passé un extrait tout à l'heure. Oui, voilà. Oui, dans un des films où vous voyez danser. Ah oui, ah, j'ai pas vu. C'est même pas la peine, je pouvais pas faire le début du commencement. Non, non. Bon, bah, c'est clair que c'est quelque chose qui s'apprend jeune, mais après je pense que tout le monde peut apprendre. Bien évidemment, on va pas apprendre à s'agir à faire les acrobaties ou des choses comme ça, ouais. Mais on peut tous apprendre quelque chose, même maintenant. Oui, oui. Je vous apprendrai un petit peu. Oui, 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 on va s'y mettre, tu vas voir. Avant de rentrer à la maison sur une main, on va attendre un peu. Hein. On applaudit, Brahim Zaïkman. Merci. Merci, Brahim. C'est un plaisir. Alors,